Le cadavre d'une dame de 83 ans a été retrouvé grâce à Google Street View. Depuis 2 ans, la police recherchait Paulette Landrieux, une femme qui vivait à Andenne, en Belgique, et qui avait disparu depuis le 2 novembre 2020. De gros moyens avaient été déployés pour retrouver cette dame, dont des chiens pisteurs et même un hélicoptère à caméra thermique. Mais Paulette restait introuvable. Alors juste avant le classement de l'enquête, un officier a l'idée d'aller regarder sur Google Street View. Et là, c'est la révélation. Par un hasard incroyable, Paulette est filmée par la caméra de la Google Car en train de sortir de chez elle et de se diriger vers le domicile de son voisin. Après cette découverte, les policiers se rendent donc chez le voisin de Paulette et découvrent son corps sur un talus, dans une zone très boisée. Ce qui explique qu'elle n'ait pas été retrouvée avant. Le parquet de Namur indique en fait que la vieille dame est très probablement décédée d'une chute ou d'un malaise. Une autopsie va maintenant avoir lieu pour connaître les causes exactes de sa mort. Alors ça peut paraître fou, mais ce n'est pas la première fois que Google Maps aide à retrouver des personnes disparues. En 2019, un corps a été découvert en Floride grâce à quelqu'un qui avait repéré une voiture au fond d'un étang sur Street View. Dedans, la police a trouvé les restes d'un homme disparu depuis 22 ans.